je pense qu'on est aux abords de la zone. On a des éoliennes là-bas. Ouais, c'est ça, on est approximativement en 0,62 séparatif 216 quoi. Sur la... la fin d'un trajectoire en jaune, enfin, en hauteur, marqué sur carte. Vu. On y va. Zigo, tu avances-toi un peu, check un peu la vallée, regarde où tu vas passer. Ok, je suis parti en paix. Je vais aller chercher le rocher pour une observation. Prime. Notre trajectoire normalement c'est toujours sud-sud-ouest là sur dans la vallée qui continue sur nos midi 1h. On a encore un mouvement de terrain qui nous permet d'avancer d'une cinquantaine de mètres. On y va. Visu sur avec le personnel sur les 11h-10h de progression. Mouvement. Négatif, ils sont statiques. On s'arrête. Ils sont à 400 reviens mètres. Sur ton point de vue. Oui. Patrouille de 4 sur 11h sur 2000 de crête. Bah, dans l'axe du soleil. Ouais. Non, je les vois pas. Près d'une baraque. Ah voilà, oui, voilà, c'est eux. C'est eux, Zigo. Ouais. Des merdes, on se rapproche le plus proche possible, on se fait pas repérer et on les fume. Ils sont en plein sur nos midi là, on a encore le. En rouge, on se trouve à gauche. Tu prends celui de droite, H. Ah, y a un rocher. Ouais. Désolé, moi j'ai les trois autres en enfilade quasiment avec l'auto. Ok, rouge. Ouais. Vous reprenez le. Vous avez visu sur les quatre. Affirme. Affirme. Rouge. Ouais, vous restez dessus. Jaune, vous resserrez sûrement. On va jusqu'au rocher. Jaune, resserré sur lui. Jaune, on bouge. Je suis sur le mec d'extrême droite. À l'extrême droite. Ouais, de gauche. Pardon. Ça, tu sais pas. On y va, ils avancent. Attends, normalement elle devrait être... Le site est plein nord à 200 mètres. Pour tous. Ouais. Plein nord, 200 mètres. Pas de visu dessus. Mais c'est pile poil dans l'axe de la position qu'on a repéré précédemment des rochers. On va y aller maintenant. La patrouille qui est sur notre flanc gauche est en éloignement. S'apprête à franchir la crête. Donc Zigo pareil, plein nord là sur 100 mètres, le terrain est descendant, inconnu, vigilance. Dès qu'on voit la maison cible, on diminue la signature tout de suite et on finit par une approche beaucoup plus furtive. Patrouille de 5 reprend son mouvement et fait demi-tour. Ouais. On est dans le dos, ils vont être face à nous. Sur mon parallèle H. Négatif. Seconde. On passe en Y. C'est bon. Rouge, on se dépasse en Y. Sur
sur la droite. Zigo, laisse un peu de marge pour Rouge, il doit pas être visible de la droite. Visuel dans la forêt. On décale à gauche. Dans la forêt, il y a quelque chose. Également, au milieu de la forêt, en contrebas. En face de nous, sur les rochers qui forment la tête de crête, il y a 4-5 gars statiques. Alors, on va ouais, c'est ce que j'ai dans cette terre. Attends, c'est pas trop nouveau. Zigo, tu descends à gauche. Tu vois le rocher? Le rocher qui est plein d'or là, faut l'attendre. Visuel sur Impax, droite de maison. Continue. On a une patrouille mobile sur la droite. Distance. Sur la droite de la forêt du camp, à environ 300 mètres. Il y revenait vers le camp, au moins deux. On est plus visible de la sentinelle à droite de la baraque. Patrouille 2-5 en parallèle de notre progression. Ouais, 150 mètres. Je suis dessus. Conduit de tenir à la poche de la baraque. Ça engage. On fonce sur la baraque. Un deuxième Pax, angle nord-ouest de la maison carrée à étage. Est-ce que trajectoire compromise? Négatif, il est de dos. On continue. Diminuer l'écart latéral. On est repéré. Ça gueule devant. Teaser. Rouge, vous foncez. Rouge, vous foncez. Jaune, vous y allez tranquillement. J'en couvert toi, les gars. Derrière la baraque. Derrière. Tranquille. C'est à droite. Attention, ligne de feu. Grenade sur le gauche de maison. Statue rouge. Rouge. Rouge à coller sur baraque. Vous rentrez dans baraque. Jaune, vous serrez sur baraque et vous maîtrisez le périmètre extérieur. Magasin. Reçu jaune. Avec on toi. Passe à gauche jaune. Ok, au étage. Ok, je garde tes missiles. C'est derrière. Droite, ok, il y a une porte. Jaune, on est à gauche. Dehors. Ok, fermez les issues, ça va converger. Est et sud-ouest. Rouge, otage localisé. Chargeur. Colle la maison, je colle la maison. Sur la maison à l'est. Local localisé, maison sécurisée. Affirmatif, maison sécurisée, jaune, on se trouve sur façade ouest. Rouge. Rouge. Et jaune. Jaune dans la maison, jaune dans la maison. Dans la maison. Et là l'otage. Deux traités nord. Putain, y'en a un qui est mort. Ils l'ont exécuté avant qu'on arrive. Les chiens. Ok, j'interroge l'otage. Il s'appelle Collins. Putain, il est mort. Il est mort. L'otage Collins vient de mourir, il était trop blessé. Ils l'ont torturé comme des malades. Echo. Non, Echo. West, proche. Sacha, c'est sur ta droite. Tu fais pas besoin de la voir. Ils arrivent. Putain. Visu. Tiens avec Sacha. Je peux pas le soigner. Sacha, tu vois. Sacha. Ouais, Charles, voir si tu peux soigner en paix, je regarde. Ouais, putain. C'est bon. 6. Y'a un mec sur les. Sur Est. Il te fais gaffe à ton QH là-bas. Ouais, je vais reprendre. Okay. Ça court près de la maison, ouest. Ouais, affirme, je viens de voir une ombre sud. Ça va arriver devant toi, si derrière, reste dans la maison, reste dans la croise H, prends mon dos. Affirme. Traité. Je sors sur façade nord. Allez, on sort, on va prendre les véhicules. On va sur véhicule. On prend celui de droite pour le groupe de tête. Ok, rempli, tu prends celui de gauche. Celui dans lequel j'ai pas tiré. Putain, il marche. Non, laisse tomber. Il y a un pneu qui est Il y a pas mal de sièges, hein, celui-là. On rentre tous là à 5 dedans. Bon. Thank you.
tir lointain nord. On continue, on continue. Il nous a peut-être suivi. Le dernier tir qu'on a pris. Ouais, sûrement. Là, normalement, on devrait le perdre. Putain, qu'est-ce que j'ai? Je me tape la guise ou quoi? Contact 9. Proche 9. Cherchez la rocher. Je dépasse. Traité. Dernier round. Okay. Je prends un dernier appui sur les rochers qui se trouvent à 30 mètres. Bojache. Alors, d'après les indications et les preuves qu'on a reçues, il y a quand même une grande incertitude sur sa position précise. Par contre, tout semble croire qu'il se trouve dans une ferme dans le secteur 86-208. Plein Est. Sur les deux heures. Bon. On va approcher par la forêt de bambou qui est juste derrière la maison. Par l'ouest ? Ouais. Mais comme j'ai pas envie de faire tout le tour de la montagne, non. On va dire qu'on a quand même une contrainte de temps. Avec les mecs en haut, ça va être... Le problème, c'est que c'est pas une ferme, ça. On est parti à droite. Je suis pas sûr que ce soit la cible parce que... Bon, il y a le camion, mais c'est pas une ferme. On traverse pour jaune, on vous dépasse et on traverse. T'arrives en arrière, si je peux pas, arrière droite, un peu en hauteur par rapport à toi, donc c'est bon. T'as le 18 là ? Ah, allez, voilà, allez, petit clown. Ok, vous serez en charge des mecs qui sont devant le capot en priorité. Reçu. Sacha, tu mec chemise carreau ? Chemise carreau, et j'ai également en visu le gars dans le camion, qui est assis à l'arrière du camion, ouais, près du poste. En P, arrière camion, un peu proche de Delta, confirme. Complètement sur Delta pour le mien, à l'angle sud-est. Ouais, celui qui est vraiment arrière. Ok, je prends le mec qui est dans le camion. Dans les buissons, ouais, dans un buisson. Et à tous, toutes les cibles sont attribuées, ouverture du feu dans 15 secondes. Ouverture du feu. Un autre épée devant le camion. Jaune en mouvement vers la maison. Magasin. Reçu. Traité pour le type en paramilitaire. Jaune toujours en mouvement, on a visu dégagé sur la maison. Ok, on converge, même allure pour tous. On continue le mouvement. Changeur. Je passe sur la droite de la piole. Par gauche, quand même. Ouais. Sur la fenêtre. Ouais. Jaune, on rentrera dans la maison. On a la porte. Pris. Rouge, vous checkez là. Charles. Affirme. Avec toi. Merci. Bon, putain, c'est pas là. Prêt. Ouais. Go. Coche dégagée. Et en clair. On a essuyé des tirs avant de bouger, ça devait venir de là-haut. Quand la ferme est à altitude, ouais. 68, là la trajectoire elle passe près d'une cause 74, donc faudra être, oui, il faudra très bien bas quand on, quand on émerge. Et l'idée c'est d'arriver près de près des murs. Ouais, c'est quelqu'un décharge. Personne. Neg. 3 grenades par personnel, je crois. On va marquer une pause sur le mur. Ouais. Pour faire tomber le silencieux, j'ai oublié tout à l'heure. Klaxon, oh. On poursuit
On poursuit le plan initial, on va chercher l'angle pour entrée principale. Bah... Ouais. Oui, oui. Vous êtes pas... ça va revenir, ça va revenir. J'ai eu un gros lag. Sur... Oui, entrée principale, toujours. Parti. Ok. C'est bon, ça change. Continue On resserre sur le mur. On resserre sur le mur immédiatement. L'hélico est à 31. Ah, c'est un peu de 9, mais je crois. On a la sentinelle là. Passez en rafale. La sentinelle est pile poil devant l'ouverture. Je le fume. Traité. On colle. Derrière toi. Jaune derrière. Ok, on rentre par là, on rentre par là. On va rentrer par là, je vais passer de l'autre côté. On rentre de l'autre. Putain, ça va pas tout seul. Je prends la couverture. Ah putain. Sacha ? Ça va être 10h-11h, il y a encore des gars. Il y a des blessés, tu peux choper je suis le dernier debout. Sacha, roulade à gauche. Il y a 3 blessés à deux. Prends plutôt la couverture au sol, prends la couverture au sol, il est pas armé. Moins un. Sacha ? Je crois.